Me revoilà avec une nouvelle activité musicale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Connais-tu la marche royale du lion ? Découvrons tout de suite ce que nous allons faire. Ces deux gros coquillages sont en fait des coquilles Saint-Jacques. Si tu en as à la maison, super, tu vas pouvoir les utiliser. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, car nous allons ensemble fabriquer un autre instrument de musique qui peut aussi être utilisé de la même manière. Nous les appelons des rapaçons. Pour fabriquer cet instrument de musique, tu vas avoir besoin de deux bouteilles en plastique, comme celle-ci. Peu importe la couleur, qu'elle soit bleue, verte ou transparente. Le plus important, c'est qu'elles aient un fond avec des bosses. Et tu auras aussi simplement besoin d'une paire de ciseaux. Tu peux faire pause à cette vidéo pour avoir le temps d'aller chercher ce qu'il te faut. À tout de suite! Ça y est, tu es prêt? Vérifions ensemble que tu as bien tout ce qu'il te faut. Pour fabriquer notre rapaçon, nous allons découper le fond de la bouteille en suivant la petite rainure qu'il y a ici tout le tour de la bouteille. Demande à maman ou à papa de te faire une première incision avec un cutter. Quand cette première incision est faite, tu peux glisser ton ciseau à l'intérieur et découper tout le tour. Fais de même avec la deuxième. Et voilà, ton instrument est prêt. Voici comment utiliser tes rapaçons. Tout d'abord, pose-les sur le sol, comme ceci.
Ensuite, tu glisses tes quatre doigts à l'intérieur. Tu mets le pouce sur le côté en dehors. De cette manière, tu pourras les frapper l'un contre l'autre ou les frotter sans te cogner les doigts. Maintenant, commençons par l'introduction du morceau. Fais en même temps que moi. Tout d'abord, les petits doigts s'agitent. Les petits doigts disparaissent. La première main va se mettre dans le rapaçon. Et l'on montre son rapaçon. La deuxième main va se mettre dans le rapaçon et on montre le rapaçon. On retourne la première main et on montre les petits doigts. On retourne la deuxième main et on montre les petits doigts. On les remet dans le bon sens tous les deux. Ensuite, on les balance. On les écarte et on les rapproche. Mais attention, on ne doit pas encore les frapper. Bien. Essayons maintenant de faire ça en musique. Écoute bien la musique, regarde bien ton écran et écoute-moi. Une main. La deuxième main. Maintenant, le lion fait son entrée royale à la cour. Il marche. Pour faire le lion qui marche, nous allons frapper nos rapaçons 16 fois l'un contre l'autre. Je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu le fais avec moi? Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, il va saluer ses sujets. Pour faire cela, on frappe le rapaçon une fois. Ensuite, on les met horizontalement, comme pour faire un geste de salut. Nous allons faire ça 4 fois lentement. Je te montre. 1, salut. 2, salut. 3, salut. 4, salut. Bien, tu le fais avec moi? C'est parti. 1, salut. 2, salut. 3, salut. Et maintenant, on refait ça encore une fois. 8 fois, mais 2 fois plus vite. Attention, je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu le fais avec moi? Et c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bien, donc la marche 16 fois, ensuite 4 fois un salut lent et puis 8 fois un salut plus vite. Tu es prêt? On le fait en musique. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5.
nos deux rapaçons l'un contre l'autre pendant le même temps que le piano fait gronder ses sons graves. Comme ceci. Après ça, nous allons les frapper l'un contre l'autre deux fois. Je te montre. Tu as compris? Fais-le avec moi maintenant. C'est parti! Il y aura quatre rugissements l'un à la suite de l'autre. D'accord? Faisons-le ensemble. C'est parti! Faisons cela maintenant avec la musique. Rugissement.
termine avec un terrible rugissement. C'est facile. Faisons cela directement avec la musique. Thank you.
C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette activité t'a bien plu. On se revoit une prochaine fois. Salut !